Un texte de la deuxième épître aux Corinthiens. Car si tout le début de notre prière était porté par l'Ancien Testament, c'est avec les paroles de Paul que nous allons poursuivre. Au chapitre 8. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Au milieu des multiples détresses qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésors de libéralité, selon leurs moyens. Et même, j'en suis témoin, au-delà de leurs moyens, en toute spontanéité, avec une vive insistance, ils nous ont réclamé comme une grâce de participer à un service au profit des saints. Au-delà même de nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes, d'abord au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous insisté auprès de Tite pour qu'il mène à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité comme il l'avait commencé. Mais puisque vous avez de tout, en abondance, foi, éloquence, science et toutes sortes de zèle et d'amour que vous avez reçus de nous, ayez aussi en abondance de la générosité en cette occasion. Je ne le dis pas comme un ordre, mais en vous citant le zèle des autres, je me permets de prouver l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. Ainsi se termine notre lecture. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 193.
Seigneur notre Dieu, rends-nous attentifs véritablement par ton Saint-Esprit, pour que nous soyons, non pas par notre volonté propre, mais par ta présence, résolus à ne pas rester en nous-mêmes et à nous laisser guider par toi. Amen. Vous avez reçu de tout en abondance, foi, éloquence, science, et toutes sortes de zèle et d'amour. Vous voyez que les compliments que Paul adresse dans sa lettre à la communauté des Corinthiens sont assez flatteurs. L'apôtre écrit manifestement à une communauté, à une église locale, qui a certaines forces, certaines solidités, et qui en est consciente. Et inutile de vous le cacher, même ce serait en dehors de l'objet de mon propos, si j'ai choisi ce texte, c'est parce qu'il y a une certaine analogie avec la communauté de l'oratoire. Je peux vous faire les mêmes compliments, même si je ne me prends pas pour Paul lui-même. Vous avez de tout en abondance, foi, éloquence, science et toutes sortes de zèle et d'amour que vous avez reçus de Dieu. Il faut cependant remarquer que lorsque Paul s'adresse aux Corinthiens, ses propos sont flatteurs, dans le bon sens du terme, mais ce n'est pas une mauvaise flatterie qui ferait enfler d'orgueil les personnes à qui il s'adresse, car il est tout aussi clair dans sa lettre, dans les deux lettres d'ailleurs qu'il adresse aux Corinthiens, que s'ils s'appuient sur leur force et sur leur qualité, sur leur conscience d'eux-mêmes, c'est aussi parce qu'il en attend plus des Corinthiens. Il considère que sa mission pastorale ou apostolique est de leur dire ou de leur proposer quelques pistes pour aller plus loin. Et en l'occurrence, il déclare « Ayez aussi en abondance de la générosité ». Alors, quelle est cette générosité qu'il demande des Corinthiens ? Au premier niveau, elle peut être comprise comme une générosité matérielle, car très concrètement, cela apparaît dans le contexte de cette épître, Paul est en train de faire ce qu'il appelle une collecte de partage, de koinonia, c'est-à-dire littéralement de communion, avec les saints, c'est-à-dire les autres croyants, qui sont à Jérusalem. Donc il est très concrètement en train de collecter de l'argent. Mais un peu plus loin dans sa lettre, on s'aperçoit qu'en fait, les Corinthiens ne sont pas plus avares que les autres. Et ce qu'il attend d'eux, et s'il est un peu insatisfait,
Ce n'est pas parce qu'il donnerait moins d'argent que les autres. Non, ce qu'ils recherchent, c'est plus profond de leur part. Et il le dit, je cherche non pas vos biens, mais ce que je cherche, c'est vous-même. En lisant la lettre dans tout son ensemble, on a un peu l'impression que Paul est certes satisfait de la capacité des Corinthiens à être sur leur force et à du coup déborder de dons vers les autres églises, mais comme s'il trouvait que ce geste n'a pas la même résonance chez eux que chez une autre communauté. Et quelle est cette autre communauté qu'il met en contraste? Vous l'avez entendu dans l'extrait que nous avons lu, c'est la communauté de Macédoine. Les Corinthiens donnent, les Macédoniens donnent eux aussi. Alors pourquoi faire une différence? La différence est que les Corinthiens donnent à partir de leur force, les Macédoniens donnent à partir de leur pauvreté. Et en cela, dans l'esprit de Paul, ils ont une forme de don, de partage avec les autres, de communion, beaucoup plus christique. Ce que le Christ partage avec les hommes, ce n'est pas simplement la puissance de Dieu, et c'est même plutôt le contraire. Ce qu'il partage avec les hommes, c'est Dieu dans la mort, Dieu dans la pauvreté. Voici ce que Paul, je vous le relis, vous venez de l'entendre, voici ce que Paul dit des Macédoniens. Au milieu des multiples détresses qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésor de libéralité. Et un peu plus loin, vous l'avez aussi entendu, il dit que les Macédoniens ont réclamé comme une grâce de participer à ce service au profit des saints. Autrement dit, les Macédoniens étaient pauvres, ils auraient très bien pu, au prétexte de leur pauvreté, passer la corbeille au suivant qui aurait pu donner plus facilement, mais non, ils ont considéré comme une grâce, comme une chance de pouvoir, malgré leur pauvreté, participer au don. Pourquoi? Manifestement, pas tellement pour des questions de force et de faiblesse, d'un point de vue strictement comptable, ce serait absurde, mais parce qu'ils ont compris qu'il est essentiel pour eux, les Macédoniens, de vivre leur communauté dans une communion plus large. Tout ceci nous ramène à la vie communautaire de l'oratoire et de quelques autres paroisses, car il y a, et je précise tout de suite, c'est une excellente chose, il y a à l'oratoire, dans notre communauté, une forme de vie communautaire particulière, car il y a différents modèles de vie paroissiale ou communautaire, à savoir qu'ici, à l'oratoire, nous vivons la communauté à la façon d'un club, où l'on se retrouve en fonction de certains choix, en fonction de certains intérêts, de certaines quêtes, de certains projets communs, en fonction de certaines affinités, notamment autour du mouvement libéral, penser, critiquer et croire en toute liberté. J'adhère entièrement à ce programme, j'adhère entièrement à ce projet, et c'est pour cela que je pense qu'il est bon que la communauté de l'oratoire garde ce profil de paroisse-club. Et là, j'emploie le mot « club » dans le sens politique du terme, à savoir que quand on veut donner un souffle, donner une animation à la vie d'Église, pas simplement nous, mais toute l'Église protestante unie de France, il faut qu'il y ait à l'intérieur de cette Église des groupements, comme les clubs politiques, qui cultivent certaines idées pour les mener plus loin dans une quête constante et les offrir aux autres. Et ces derniers mots sont peut-être les plus importants, et les offrir, les partager avec les autres. Si je suis partisan de ce type de communauté-club, comme nous vivons ici, c'est parce que moi-même, pendant des années, pendant 16 ans exactement, j'étais pasteur en paroisse à Saint-Jean, donc une communauté près de la Tour Eiffel, j'ai vécu aussi, et je la crois utile, cette expérience de communauté de centre-ville qui peuvent avoir la richesse de vivre une quête particulière. Paroisse club, paroisse à profil. Mais le danger de cet esprit de club, où l'on veut cultiver certaines lignes forces, est que cet esprit-là ne doit pas s'élever au-dessus de l'esprit de communion. Il y a l'esprit du club, qui est une bonne chose, je viens de le dire, mais il y a l'esprit d'une communion qui est la vraie visée de ce travail local.
Si l'on oublie cette deuxième dimension, alors tout ce qui est fait ici, dans une quête particulière, s'effondre sur soi-même. Un club libéral, en l'occurrence, n'a de crédibilité pour offrir son libéralisme à toute l'Église protestante unie de France que si lui-même témoigne de sa capacité à se sentir pauvre, comme les Macédoniens, et à être profondément dans le besoin de recevoir ce que les autres auront cultivé et qui n'aura pas été fait ici. C'est la question de la communion des saints, qui est souvent comprise de travers d'ailleurs. Trop souvent, lorsque l'on parle de ce partage des dons spirituels, de cette communion des saints, j'ai vu des personnes interpréter ces mots en partant d'eux-mêmes, comme si les saints, c'était d'abord eux-mêmes dans leur quête locale, et puis ensuite ils postulaient qu'il pouvait y avoir dans le monde d'autres personnes qui leur ressemblent, qui seraient dans la même quête, et c'est cela qu'ils appelaient la communion des saints. Moi, plus les autres qui ont la chance d'être comme moi. Ce n'est pas cela que j'aime appeler la communion des saints. Car cette manière de concevoir ce que Dieu attend des hommes en étant centré sur soi, cette manière de concevoir la quête chrétienne en étant centré sur moi-même, trahit le message même de liberté que nous voulons porter. Et dans le pire des cas, j'ai même vu parfois cette notion de communion des saints être un alibi pour certains qui ne voulaient pas s'intéresser à ce que faisaient les autres. Je vous raconte cette anecdote. Il y a quelques années, je viens de citer la paroisse Saint-Jean, qui est en l'occurrence une paroisse qui cultive une tradition luthérienne au sein de notre Église unie. Et il y a quelques années, cette union luthérien et réformé n'était pas faite. Parmi les pasteurs et parmi les laïcs luthériens, il y en avait certains qui étaient persuadés que la meilleure manière d'aller au bout de leur quête du luthéranisme était de vivre le pur, le vrai, l'unique luthéranisme authentique et immaculé. Alors ils se faisaient des tas de fantasmes, et l'objet particulier de leur fantasme était de rattacher leur quête à une communion des saints qui était en fait totalement imaginaire. Et ils nous racontaient que le vrai luthéranisme, c'était celui qui se pratiquait par les luthériens haute église de Suède, que l'on connaît parce qu'ils portent des signes un peu à l'ancienne, ils portent des mitres, des crosses et tout cela. Et donc ces luthériens utilisaient l'argument d'une communion des saints avec d'autres très loin, que l'on ne voyait jamais, comme un argument pour dire « c'est cela notre communion, et par contre la communion avec les réformés, ici en France, nous n'en voulons pas ». Donc la communion des saints, très loin, était le prétexte pour refuser la communion des saints ici. Sauf qu'un jour, nous avons fait un voyage en Suède. Alors effectivement, les Suédois, ils avaient des mitres, des crosses et tout cela, sauf que derrière ces apparences, ces luthériens suédois, avec leur mitre et avec leur crosse, ils pensaient, ils critiquaient et ils croyaient en toute liberté. Et ça n'a pas plu à ceux de mes luthéraux conservateurs qui avaient longtemps abusé de cette idée des autres très loin qui seraient leur vraie communion des saints. Tout cela s'est effondré. Cela dit, ce type de choses peut arriver à l'oratoire aussi. Et je vais vous donner malheureusement un autre exemple, une autre anecdote et expérience un peu effrayante que j'ai vécue ici même. Un jour que j'étais venu au culte tout à fait normalement, j'étais assis de ce côté-là, je crois, dans l'assemblée, et ce dimanche, il y avait un baptême d'enfants. Mon collègue, qui célébrait, a cru bon de faire une célébration de baptême où dans chaque phrase, et d'ailleurs plutôt deux ou trois fois qu'une dans chaque phrase, on entendait les mots oratoire, libéral, libéralisme. Alors, c'était entièrement autoréférencé, c'était très redondant, c'était même finalement lassant. Mais au-delà d'être lassant et ennuyeux, c'est surtout que cet enfant et sa famille qui étaient portés dans le baptême, autour de ce baptême, le rapport au Christ,
le rapport à la communion de l'Église universelle, le rapport à l'ensemble de l'Église protestante unie de France, tout ça, toute cette immensité de forêt, était occultée par un arbre, celui de l'oratoire, parce qu'il avait le nez dessus. Et j'avais presque l'impression que cet enfant n'était pas baptisé chrétien, il était baptisé oratorien, et dans les mots qui étaient employés, on n'arrivait plus à voir le Christ derrière l'oratoire. Alors évidemment, c'est un dérapage ce qui s'est passé, et si je me permets d'en parler avec liberté totale avec vous, c'est parce que j'aime beaucoup ce collègue, je lui en ai parlé, je l'apprécie, et je sais très bien que normalement, il évitait de tomber dans ce travers d'être totalement centré sur l'oratoire. Et puis aussi, vous constatez bien, je suis là avec vous aujourd'hui, je connais assez, j'ai assez d'amour pour l'oratoire, pour ne pas avoir été dégoûté de revenir, mais je parlais tout à l'heure de ceux qui peuvent être ici pour la première fois. J'étais inquiet pour eux, parce que je crois que si j'étais venu pour la première fois dans une église ce jour-là, je ne serais plus jamais revenu ici. Mais voilà, je suis revenu, je reviens, je reviendrai encore. Alors, nous sommes ici avec la question, comment faire pour que notre sens de la communion soit plus large que l'autoréférencement? Comment faire pour que tout en ayant une dynamique de club où nous cultivons des idées-forces qui sont constantes, qu'en même temps nous restions en capacité de désirer ce qui vient des autres et en capacité d'offrir cela avec les autres? Je suis luthérien, je le reste aussi. Eh bien, je vais vous citer la confession d'Augsbourg, car j'y trouve un petit outil pour dépasser cette tentation. Dans l'article 7 de cette confession d'Augsbourg de 1530, l'Église est définie comme, alors si je parle français, l'assemblée des saints dans laquelle l'Évangile est enseigné dans sa pureté et les sacrements administrés dans les règles. Mais ça ne marche pas trop quand on parle français. Il faut plutôt parler latin, comme dans l'original, Est autem ecclesia congregatio sanctorum. Vous entendez que cette communion, d'abord, c'est une congrégation, une assemblée locale, un rassemblé effectif. Et le fait de s'intéresser à ce que l'on a physiquement, localement, autour de soi, ici ou chez mon voisin, est essentiel pour ne pas partir dans les fantasmes comme ceux que je vous racontais tout à l'heure avec ceux qui vivaient la communion des saints d'abord dans une Suède spéculative au lieu d'aimer les protestants qu'ils avaient autour d'eux. Donc, bien sûr, partir de ce qui nous est donné à partager ici, la congrégation. Mais si l'on fait ça, vous pourrez me dire qu'on risquerait d'être encore dans un centrement sur soi-même, partir de la congrégation locale, en quoi est-ce différent de ce que je critiquais tout à l'heure? Et c'est pour cela qu'on va vraiment avoir besoin du latin. Car lorsqu'il est dit, lorsqu'on traduit « assemblée des saints » ou « congrégation des saints », eh bien, on a dans l'idée seulement des personnes que l'on appelle comme des saints, les sancti. Or, dans le latin « congregatio sanctorum », il y a une hésitation, un double sens qui est voulu, c'est-à-dire que ça signifie à la fois l'assemblée des saints, des personnes qui se reconnaissent comme élus de Dieu, mais c'est aussi la communion dans les dons de Dieu, la communion dans les choses saintes. Et c'est pour ça que la confession d'Augsbourg parle essentiellement de recevoir la parole, de recevoir les sacrements. La communion, ce n'est pas d'abord partir des personnes saintes. La communion, c'est d'abord partir d'une envie, d'un besoin de recevoir ce qui nous vient de Dieu et qui nous est toujours donné par l'autre. Dès lors, la vie communautaire doit bien sûr être composée de personnes concrètes que nous avons autour de nous et avec qui nous partageons des travaux dans la congrégation locale. Mais le vrai horizon de la communauté, c'est cette quête de toujours aller vers ce que Dieu nous donne. C'est ça, la sainteté, la communion des saints. Et là encore, avec le mot de sainteté que je viens d'employer à plusieurs reprises, il y a
une petite ambiguïté à éclaircir. Car dans ses racines premières, le mot de kadosh en hébreu donne plutôt l'image d'une sainteté pureté, sainteté consécration, sainteté séparation du profane, et très vite on pourrait à nouveau être dans une sorte d'exclusion des autres. La sainteté de Dieu, la pureté de Dieu et la pureté de ceux qui seraient ses élus seraient d'autant mieux préservés qu'ils se garderaient des contaminations avec ceux qui les entourent. On pourrait presque dire dans ce sens-là, la sainteté et l'esprit de communion sont antagonistes. Sauf que la sainteté de Dieu consiste justement en une sainteté débordante qui n'est pas simplement réservée à elle-même, mais qui est une sainteté qui consiste à aller vers les autres pour une paix nouvelle, une justice nouvelle, ce que l'on appelle en hébreu un shalom. Et d'ailleurs, il se passe exactement la même chose dans la seconde épître aux Corinthiens, pour y revenir. Un peu avant l'extrait que nous avons lu, il y a un passage qui pourrait prêter à confusion de cette manière. Car Paul dit à ses Corinthiens, « Ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules. Quelle association peut-il y avoir entre la justice et l'impiété ? Quelle union, et littéralement c'est le mot koinonia, quelle union, quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? Nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « Au milieu d'eux, j'habiterai, je marcherai, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Sortez donc d'entre ces gens-là, mettez-vous à l'écart, dit le Seigneur, ne touchez à rien d'impur, et moi je vous accueillerai. » Il y a donc des passages dans la Bible où les paroles pourraient nous faire croire que le vrai sens de la communauté consiste à rester dans sa pureté et à s'écarter des autres. « Ne touchez rien d'impur. » Sauf qu'il y a tout de même deux manières de prendre le texte. La première, celle que l'orgueil des hommes a tendance à suivre spontanément, à savoir de considérer que c'est moi le pur, que c'est l'autre l'impur, et donc que l'appel à la sainteté de Dieu consiste à m'isoler sur moi-même, parce que je suis plus près de Dieu que les autres. Et puis il y a tout de même l'autre interprétation possible, qui consiste à considérer que cette dialectique, cette tension de la pureté et de l'impureté, chacun de nous doit la vivre. Et donc, quand le Seigneur nous dit que nous sommes le temple de Dieu, eh bien, il y a toutes sortes de travail de marchand du temple à faire en nous-mêmes. En tout cas, c'est très clair, dans le contexte de l'épître de Paul aux Corinthiens, ce qu'il propose comme remède contre l'impureté, c'est de se laisser rétablir dans le sens d'une communion avec les autres, Jérusalem, Macédoine ou encore ailleurs. Alors, je viens de parler de nettoyer les marchands du temple. Quelles sont les impuretés actuellement dans notre club de l'oratoire ? Quelles sont actuellement les impuretés dans le mouvement du protestantisme libéral ? Je ne suis pas en mesure de le dire, parce que je suis trop proche. Je suis trop à l'intérieur, je participe de trop près aux activités de l'oratoire et je suis lié de trop près au libéralisme pour avoir le recul suffisant. Mais une seule chose m'apparaît comme certaine, la quête de la pensée, de la critique, de la foi en toute liberté ne peuvent pas être réel lorsque l'on est trop satisfait de soi. Personne n'étant prophète pour soi-même, la critique, la pensée, la foi ne se développent que si je vais les chercher ailleurs que chez moi. Amen.